Le 3 juillet prochain aura lieu le premier défilé Body Optimiste à Cherbourg-en-Cotentin. Son objectif, valoriser et fêter la diversité et la beauté des corps et sensibiliser sur les stéréotypes liés à l'apparence physique. Une initiative de la Maison de l'Emploi et de la Formation du Cotentin qui s'associe à la Maison pour tous, Léo Lagrange, et aux associations Au Fil de l'eau et Culturelle. Pour en parler, eh bien, j'accueille Charline Sausset de la MEF du Cotentin et coordinatrice du projet. Bonjour. Bonjour. Déjà, est-ce qu'on peut rappeler ce qu'est un défilé Body Optimiste ? Donc on a voulu organiser pour la première fois à Cherbourg un défilé Body Optimiste. Et l'idée, c'est de promouvoir la diversité des corps et surtout de s'enlever toutes ces contraintes qu'on peut s'imposer en montrant qu'être bien dans son corps et en s'acceptant, on peut montrer de la confiance, du dynamisme, pardon, et de changer complètement le regard qu'on peut avoir sur des corps un peu différents des normes. Et comment est arrivée l'idée de proposer un tel événement ? Alors l'idée, c'est parce qu'on a fait un testing l'année dernière, on a testé des candidatures avec des photos de personnes en surpoids, et on s'est rendu compte que la photo avait encore un impact, et surtout le surpoids dans les sélections pour les recrutements. Donc voilà, on voulait dénoncer ça et montrer que le corps n'a pas ta compétence et devrait pas avoir un effet après sur des choix. Alors ce défilé Body Optimiste, ce sera le 3 juillet prochain à Cherbourg. Le lieu reste pour l'instant à définir. Actuellement, vous recherchez des personnes pour constituer donc cette troupe d'une vingtaine d'individus en fait. Voilà, exactement. Oui, là actuellement on recherche 20 personnes pour constituer la troupe qui va défiler le jour du défilé du 3 juillet. Donc pour cela, on propose deux informations collectives qui auront lieu à la Maison pour tous, donc et nos partenaires. Le 17 mai de 17h30 à 19h ou le 19 mai de 9h à 11h, toujours à la Maison pour tous. Donc, alors, par contre, c'est sur inscription puisqu'on est limité en nombre de personnes qu'on peut accueillir. Mais voilà, pour toutes les personnes qui souhaitent s'engager avec nous sur le sujet et qui souhaitent aussi s'engager, mais pas forcément défiler, mais pour travailler aussi sur des tenues ou sur la valorisation, sur le maquillage, pour valoriser la troupe, on accueille toute personne qui souhaite s'investir avec nous. Alors, est-ce qu'il y a un profil particulier que vous recherchez pour ce défilé ? C'est mixte, homme ou femme ? Ah oui, voilà. Ouais. Pour nous, c'est important. On souhaite montrer la diversité des corps, donc les profils qu'on cherche, c'est pour les personnes qui n'ont pas le profil dans les normes ou les profils atypiques, mais voilà, que ce soit des grands, des petits, des gros, des maigres, voilà, on veut fêter la beauté des corps et de dénoncer les codes, les dictats de la mode qui imposent qu'un corps qui serait dans la norme. Et une fois que vous avez trouvé vos participants, alors comment ça va se dérouler ? Il y aura des répétitions au mois de juin ? Voilà, exactement, oui. Donc il faut être disponible tous les samedis du mois de juin. Bon, évidemment, on s'organisera s'il y a des contraintes. Mais l'idée, c'est de se réunir tous les samedis, de réunir la troupe, de travailler sur le choix des tenues, sur les thématiques des passages du défilé et surtout de les répétitions pour être pleine de confiance et prête le jour du défilé. Prêt ou prête, d'ailleurs. Alors, est-ce qu'il y a autre chose à ajouter en rapport avec ce défilé Body Optimiste ? Non, voilà, je voulais insister. Voilà, c'est la première fois. L'idée, c'est vraiment de faire ça autour d'un moment très festif et convivial. Et voilà, c'est pour toutes les personnes aussi qui n'oseraient pas au moins de venir à l'information collective pour déjà en échanger. Je pense parce que l'objectif, c'est vraiment de rendre visible aussi une population qui est très peu représentée. Donc, n'hésitez pas si vous sentez aussi un peu seul en ce moment pour échanger sur cette thématique-là. Alors, on rappelle que ce premier défilé à un Body Optimiste à Cherbourg-en-Cotentin, ce sera le 3 juillet prochain. Et ces deux informations collectives, donc proposées au mois de mai à la Maison pour tous, donc Léo Lagrange à Cherbourg-Octeville, ce sera donc le 17 mai de 17h30 à 19h ou le 19 mai de 9h à 11h. Attention, c'est sur inscription. Les contacts sont à retrouver sur votre page Facebook, la page Facebook UMF du Cotentin. Oui, alors je peux les donner aussi, donc n'hésitez pas à me contacter au 02 33 01 64 75 pour toute information. Et sinon sur le site de la MEF, sur www.mef-cotentin.com. Eh bien, je vous remercie, Charline Sausset, pour cette précision. Au revoir. Merci à vous. Au revoir.